Team Deathmatch. Take no prisoners, comrades. Yo tout le monde, c'est bon voyage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Donc aujourd'hui c'est un petit gameplay de malade, comme d'hab. Donc donc encore un petit gameplay à la M4A1 silencieuse. Même classe que la dernière fois. Donc avec les mêmes atouts pis tout. Donc donc avec les mêmes atouts, c'est la même classe pareil. Mais maintenant c'est sur Arcaden. Donc donc la M4 pour la première arme qu'on débarque, qu'on débloque, désolé, dans le jeu d'un fusil d'assaut. Je trouve qu'elle est vraiment très 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 puissante. Surtout avec un silencieux. Moi je trouve qu'elle est beaucoup plus puissante avec un silencieux. Après c'est mon avis. Ça reste mon avis. Donc j'adore, comme vous avez vu, j'adore la M4. J'avais peut-être même des projets dans mon temps en or. Donc ça va être un petit gameplay vraiment sympathique. Je vais débloquer quelques hélicos de combat. Donc comme vous pouvez voir, je suis en assaut. Donc vous avez été actif pas mal, comparé à d'habitude, sur la vidéo d'hier. Donc la vidéo de avec la M4A1 silencieuse sur bootleg, vous avez été vraiment actif à toutes mes questions. Donc je vous ai demandé comment votre examen s'était passé, désolé. Je vous ai demandé comment vos examens s'étaient passés. Et je suis content de voir que ça s'est bien passé pour vous. Donc il y en a deux qui ont répondu, donc merci aux deux d'avoir été actifs là-dessus. Et j'ai aussi un commentaire qui disait qu'il fallait que je fasse ma série sur Resident Evil. Donc je pense que je vais la faire, parce que s'il y a quelqu'un qui veut que je la fasse, c'est sûrement qu'il aime ce jeu-là, puis peut-être que ça pourrait m'apporter quelques abonnés. Donc je vais faire cette série-là, donc à la M4, la M4A1 de MW3, qui est, je trouve qu'elle a vraiment été améliorée sur la M4 de MW2. Donc MW2, déjà que je joue pas beaucoup parce qu'il me fait rager vraiment tout le temps. Donc des fois je pitch ma manette partout là. Quand je joue à MW2, c'est pour ça que je fais pas de vidéo sur MW2. Tout simplement, je rage trop dessus, puis je suis pas capable de faire des gameplays. Donc là, vous pouvez voir que je suis à 2 kills de débloquer mon premier hélico. Donc je vais temporiser un petit peu pour débloquer mon hélico, pour pas me faire tuer. Vu qu'on n'a pas une très grande avance au point, on a 15 points de plus. Donc vous allez me dire, bon, c'est beaucoup, mais si l'équipe a un colis stratégique, puis qu'il y a un, admettons, un mitrailleur de spray, ça peut vraiment monter très très vite. Donc on sait jamais. Faut tout le temps mieux prévenir que guérir. Hein? Je sais même plus pourquoi je suis rendu là. Comme la dernière fois sur Black Ops 1, j'étais parti en couille. Donc je suis encore parti en couille. Mais vous avez vu que j'ai mon hélico. Et je suis vraiment très 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 content que personne me l'ait détruit, parce que tout le monde sait que sur MW3, tout le monde joue au launcher, puis à chaque fois que vous mettez un hélico, il n'y a même pas le temps d'arriver, puis il est détruit. Le 3/4 du temps, c'est ça que ça m'arrive. Ou sinon, quand je lance un colis stratégique, quand il revole, ou ce que je peux l'avoir, c'est soit un drone de brouillage. Puis quand il revole sur un toit, c'est un mitrailleur de spray, un mitraillage d'hélico, un hélicoptère d'attaque, un AH-6, donc voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Donc je vais faire la petite série sur Resident Evil. Donc j'espère que cette série-là va vous plaire. Je pense que je vais essayer d'enregistrer une vidéo là-dessus demain. Donc aujourd'hui on est jeudi, mercredi, jeudi, je pense qu'on est jeudi. Jeudi le 23, je pense. Je suis pas sûr encore de la date ou du jour de la semaine, parce que je suis un peu perdu à cause de la fin des cours. Mais bon, de toute façon, on n'a plus d'école, on n'a plus besoin de se préoccuper de on est quel jour, puisque même si on est dimanche, on n'a pas d'école le lendemain, on est en vacances jusqu'à l'année prochaine.
Donc j'espère que ouais, donc c'est ça. Vous voyez, on est à 7000 déjà. Donc je vais réussir à débloquer mon hélico alors qu'on est à 7200. Je vais presque faire le kill cam avec mon missile Predator. Donc vous allez voir, je vais le lancer ici. Tac, comme ça. Je vais faire une petite double. Puis après ça, il y a un gars qui va faire sa kill cam à la coque, à la fade, désolé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé le gameplay ou la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Lâchez des likes. Lâchez des commentaires et salut salut!